dress, I'm fly as a bird. Oh, oh, it's the latest fashion, wearing it. Ah. My style cold from head to toe, plus my shoe game just out of control. When I'm dressed, I'm fly. Allô. Ouais, Gérard Le Flemmard. Qu'est-ce que tu racontes? Attends deux secondes, je t'ai même pas entendu. Ouais, tu dis quoi? Ah, ça y est, tu t'es remotivé pour tes travaux? Ah, au bout d'un an, il était temps. Hein. Tu fais quoi demain? De la plomberie? Wow. De quoi? Ah, mais je t'ai pas dit, moi. Je me suis pété la clavicule le week-end dernier. Ouais, bah ouais. Ah, j'en ai pour un mois minimum. Hein. Ouais. Non, même pas. J'ai glissé dans la baignoire. Ouais. Ouais, l'accident domestique classique, t'as vu. Ok. Ah, désolé. Hein. Ok. Ok, mon pote. Vas-y. On s'appelle. Ouais, on s'en joue. Allez, ciao. Puh. Plomberie. Eh, mais que je me pète le dos, celui-là. C'est pas que je suis allergique à la manutention ou quoi? Ah ouais, des mains faites pour l'or. Il veut me les foutre dans le cambouis. Stambéis. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Close to the edge, I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Yo, elle est où ma casquette? Je sais pas, tu l'avais mis là. Non, je crois que c'est le rang qui est passé qui l'a pris tout à l'heure. Yo. Oui, allô, madame. Excusez-moi, madame. Je vous appelle, j'ai rendez-vous avec vous, vous savez, pour visiter l'appartement. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que je vais avoir quelques petites minutes de retard parce que là, je suis un petit peu perdu, donc voilà, quoi, c'était juste pour vous prévenir. Ah là, c'est fait. Oui, bah, j'arrive. Hein? Là, madame, je comprends pas trop le sens de votre question. Oui, non, j'entends bien, mais comment ça, de quelle race? La race de quoi? Oui, moi? Ah, madame, je suis de la race des êtres humains, quoi, comme tout le monde. Non, mais madame, hey, je vais pas vous envoyer mon ADN par la poste pour... Non, oh, c'est bon, raccrochez pas, j'ai aucun problème avec ça. Je suis de la... vous voyez l'Afrique, quoi, voilà. Bah, je suis de ce continent-là, quoi, rien. Oui. Hein? Non, mais attends, hey, comment ça, vous louez pas au continent africain? Mais madame, mais ça va pas ou quoi? Mais madame, mais c'est dangereux ce que vous dites, vous vous rendez compte? Mais là, on est on dit plus ça, on est au quel siècle, bordel de... On est au 21e siècle, madame! Non, madame, la fille de moi, raccroche pas! Madame! Oh, plus de batterie! Plus de batterie! Oh, putain! Quel con! Hé, j'ai la haine! Ah non, j'arrive pas. Attends. J'arrive pas à y croire. Alors moi, j'ai pas d'appartement parce que je viens du continent africain. Là, que c'est à toi. Tu regardes qui? Attends, ça veut dire... Allez, je suis tombé sur le raciste. Et après, il se plaît qu'on est raciste, des racistes. Oh, je suis dégoûté. Oh là là, alors là, ça veut dire qu'un mec comme moi, il a pas d'appartement. Moi, j'ai dit à tous mes potes, je vais avoir un appartement bientôt. Mais non. Ah bah voilà. Là, est-ce que je peux habiter là? Je vous dérange pas? Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis un robot, vous pouvez venir dans ma nouvelle maison. J'ai la haine. Oh, je suis dégoûté. Ah, il fallait que je tombe sur une marine. Ah, ça c'est... Allez, je lâche l'affaire, franchement. Les trucs comme ça te dégoûte.
Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, toi, allume-toi! Calme-toi, calme-toi. Bah, calme-toi. Allô? Tonton de Paname. Ouais, ça va et toi? Ça fait longtemps, hein? Ah, on dit quoi? Tu pars au pays? Samedi? Toi, tonton, vraiment, t'es bien. Ah non, attends, tous les 2-3 mois, t'es là, tu pars à Bamako City. Pendant que nous, on est là, on recule là. Faut envoyer un peu là. Nous aussi, on va s'évader un peu. Hein. Où? Voici Charles de Gaulle. Mais tonton, t'as pas dit? Non, mais ma voiture, elle est gâtée, complètement. Non, tout. Hein? Injecteur, soupape du moteur, enjoliveur, tout est KO. Ah, laisse tomber, au moins 2000 euros. Là, je suis BMWT. Ah, non. Non, tu sais ce que tu vas faire, hein? Et il faut que tu appelles Antoine, là. Antoine, le taximan. Oui. Non, lui, c'est sûr, il va te dépanner, lui, il a plusieurs voitures. Ok, tonton. Ok. Ouais, tu passes le bonjour à toute la famille au pays. Ok. Allez, ciao. C'est pas... Bernard Poissard. Oh! Dès l'enfoiré. C'est quoi ton délire, là? Pourquoi t'as pas de lacets sur tes chaussures? Mec. Je viens de me taper 48 heures de garde à vue. Sérieux? Et t'as fait quoi? Hein? T'as fait quoi? Moi j'ai fait quoi? Ouais. Moi j'ai fait quoi? Mais rien mon pote! Mauvais endroit, mauvais moment! Y'a un mec apparemment qui a fait un braco. Comme par hasard! Même descriptif que moi. Mais non. Ouais, je te jure. Alors les flics ils arrivent tranquillement, ils me demandent ma carte d'identité. Mais ce genre là. Eh ben fallait pas que je les ai sur moi! Non! Pas ce genre là! Alors tu sais quoi? Clic-clac les menottes. Il m'amène au poste, puis, histoire de vérifier, le temps de faire venir tous les témoins. C'est lui? Non, c'est pas lui! C'est lui? Non, c'est pas lui! 48 heures comme ça! Et puis après, je devais visiter un appart. Je suis tombé sur une raciste. Mais une raciste! Oh, laisse tomber, j'ai la haine. Bernard, tu portes bien ton nom, hein? Bernard Poissard. Au fait, pourquoi on t'appelle Bernard Poissa? T'as toujours la poisse. Hey mec, mais je suis né avec! À la maternité! Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé nos bracelets. Et ça veut dire que je suis parti avec des parents qui étaient pas les miens, mon pote. Pendant 7 ans, j'ai grandi avec une famille qui était pas la mienne. Waouh. Mais attention, Paris 16. J'avais une maison. Il y avait un jardin. Tu sais ce qu'il y avait dans le jardin? Il y avait quoi? Il y avait un jardinier. Et à l'école, tu sais pas comment j'allais à l'école. Non, t'allais comment? Il y allait avec un chauffeur. Ah, à la grande classe, j'étais bien habillé, les chaussures vernies. Et c'est Ahmad de la clinique. Quand ils se sont rendus compte de leur erreur au bout de 7 ans, en archivant leur dossier. Eh ben, ils l'ont dit à mes vrais parents, qui sont venus me chercher. Vous étiez sûrs d'eux? Mon daron, le vrai. Je sais pas, le mec, on dirait qu'il m'a procréé sur une photocopieuse. La même tête que moi. Alors à l'âge de 7 ans, je suis arrivé à la cité. Ah ouais, non, la chute sociale. Ouais. J'ai quitté le quartier des bobos pour aller au quartier du ghetto. Ah bah à l'école, à la récré, on me jetait des biscottes. Mais pourquoi? Parce que moi, je ne parlais pas comme vous. Ah, c'est dur l'intégration, mon pote, hein. C'est bon. Ouais, dans les deux sens, hein. Ah ouais. Mais comment? Les anciens parents, là, t'as pas gardé contact avec eux, histoire qu'ils te refilent un billet? Mais non, mais... Mais ça se passe pas comme ça, c'est... Mes parents sont venus une fois... Pour eux, tu sais quoi? Ils avaient jamais mis les pieds dans une cité. Eh bien, je sais pas, imagine-toi le truc. Eux, ils connaissent plus les Bahamas que la banlieue. Eh, t'es vraiment marié à la poisse, hein? Ah, ah ouais.
Mais tu sais même pas. Mais attends, tu veux que je te raconte, je vais te raconter, regarde. Mm. Et branché le toit, j'ai dit, j'ai rien à perdre. Une nana, une petite métisse qui habite à deux blocs d'ici. Juste là-bas, là. Là-bas, juste, elle est trop mignonne, t'as dû peut-être la capter. Je passe une journée terrible. Pas une demi-journée. Parce que l'heure du midi tourne. Elle me regarde, à un moment, elle me dit, j'ai faim. Et là, elle se dit, attends, quick. Je la regarde, je dis, hey, cousine, excuse-moi. Toi, tu vaux mieux qu'un quick. Et là, mon grand seigneur, un grand prince, tu sais quoi, je la ramène direct au McDo. Alors là, on arrive. Le mec, il me demande de payer. Et tu sais quoi, je dis, y'a pas de problème. Je sors ma carte. Ma carte d'identité. Et les gens derrière, ils soufflaient. Ils commençaient à m'énerver. Et l'autre, là, le manager, là, qui commence à m'embrouiller, là. Ronald McDonald. Je suis parti sur une embrouille alors que je l'avais passé. Une belle journée, mon pote. Mais ça, c'est tout moi. Mais c'est ma vie, mon pote. On peut pas faire autrement. Alors, regarde, quand je suis en voiture, je suis là, je roule pépère. Je vois un gyrophare. Je coupe le moteur, je prends les papiers de la voiture et je descends et je leur dis bonjour messieurs de la police, allez-y, contrôlez-moi. Et s'ils veulent pas me contrôler, je leur dis mais contrôlez-moi. Allez-y, mais contrôlez-moi. Fais rire, lui. Dinguerie ce que tu me racontes. Tu t'es fait marabouter. Moi je crois que c'était juste un délire ton surnom. Mes gars, tu comprends pas. Poissard. Mais c'est mon vrai nom! Non. Ben oui! Wow. Oh là là! Laisse tomber, mec! Vu qu'on converse, et toi? L'enfoiré! Ton vrai nom aussi? Mais non! D, c'est mon prénom, Daouda. L'enfoiré, ouais. C'est parce qu'on vit dans un monde d'enfoirés, géré par des enfoirés. Où les gens qui sont adulés, pour la plupart, c'est des enfoirés. Et à force de traîner avec des enfoirés, tu finis par devenir un enfoiré. Conclusion, mieux vaut être un enfoiré que la victime d'un enfoiré. Tu vois ce que je veux dire, enfoiré? Mais attends, mec, t'es pire que Christophe le philosophe. Mais tu cogites. Mais t'es un vrai pessimiste. Quel pessimiste? Moi, je suis pas pessimiste, moi, je suis réaliste. Bien sûr. Faut te sortir la poisse des yeux, mon pote. Faut arrêter de croire tout ce qui se passe sur le petit écran. La vie, c'est pas le journal de Jean-Pierre Pernaut, un reportage de Roselmack ou bien le dernier clip de rap, hein. Ah ouais, faut savoir aller entre les... Aldo, le mytho. Quoi de neuf, salaud? Ouais, t'as la voix rauque, là. Tu viens de te réveiller? Ah ouais? Les Champs-Élysées. Ah ouais, l'abdance, tout ça. Jusqu'à quelle heure? 7h? Oh, attends, écoute. Hey, hier, je rentrais à 3h du matin, je suis passé dans ta rue. Je t'ai vu, t'étais en chausson en train de promener ton caniche avec ta daronne. Espèce de mytho chronique, va. 50 quoi? 50 euros? Quoi? Allô? Je crois que j'ai plus de réseau là. 50 euros. Ah ouais, il m'a pris pour un distributeur automatique celui-là. Eh hey, mais l'enfoiré. Mais t'es vraiment un enfoiré. Eh hey, mais c'est pas Hervé l'énervé. Où? Là-bas. Eh hey, je t'ai déjà dit, si tu parles mal, je te gonfle, ok? Hey, tu m'as pas vu. Wesh. Oh. Quoi? Je suis pas ton petit, moi. Eh, parle mal comme hier soir. Eh, je te gonfle. Hein? Eh, vas-y. Assez parlé. La prochaine fois, je te gonfle. Eh, vas-y, fous la haine, lui. Eh, tu fais quoi, là, le poissard? Eh, mais c'était pas l'enfoiré qui était assis avec toi, là? Eh, non. C'était, tu sais... L'autre là, comment il s'appelle? Je vais gonfler. Comme à l'époque où t'es arrivé dans le quartier là, avec ton style d'aristocrate. Pourquoi? Ah, c'est quoi cette odeur? Tu peux, tu fouettes mon pote. Mais mec, là je sors de garde à vue. Quoi? Toi t'es ton garde à vue? Ouais. J'espère que t'as pas balancé. Non. Sinon c'est moi-même qui vais te gonfler. Non, je te jure. En fait, la dernière fois, j'étais à l'arrêt de bus. Ouais.
Et l'enfoiré, il passe avec sa voiture. Et fait genre, il me voit pas. Non. Moi, j'allais frapper à son carreau. Ouais. Et il a démarré. Je me suis affiché devant ma copine. Oh, l'enfoiré. Mais dis-le bien, quand je vais l'attraper, hein, je vais tellement le monter en l'air. Faudra la NASA pour le redescendre. Je lui dis. Eh, passe bien le message, hein. Je vais le gonfler. Vas-y, je veux pas de lézard. Vas-y, je m'arrache. Ok, ok. Waouh. Eh ben. Waouh. Eh, mais toi, t'es pire que David Copperfield. T'apparais, tu disparais. Ouais, surtout quand il y a assez de brutes dans les parages, là. Eh, mon pote, fais attention, parce que lui, il en a après toi. Et ici, c'est chez lui. Eh, laisse-le. Lui et son frère Mathieu le Furieux, ils ont rien compris, mon pote. Eh, ils ont pas compris. Ghetto, ça rime avec cerveau. Violence avec ignorance. De toute façon, vas-y. Moi, je m'arrache. Tonton, il y a un moyen que tu payes ta clope, mon pote. Ah, désolé, mon pote, il me reste plus que 17, là. Eh, tu sais quoi? Mais t'es vraiment un enfoiré. Monsieur l'enfoiré. Ok, la poisse. Allez. Vas-y, je te sers même pas la main, là. Tu risques de me refiler ton virus. En plus, j'ai rendez-vous avec une petite nana, là. Eh, elle habite juste à deux blocs d'ici, une métisse. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a raconté la dernière fois? Elle m'a dit qu'elle était avec un gars. Il l'a affiché, mais dans tout le restaurant. Il a fait le coup de la carte bleue. Ah ouais, heureusement, moi, j'ai toujours la mienne. Attends, c'est même pas la mienne, celle-là. Ah, mon pote. La Mastercard, poteau. Ça rentre partout là. Jamais de galère. Ok, la poisse. Porte-toi bien, mon pote. Mais quel enfoiré. Et quel enfoiré, ce mec. Bonjour, monsieur. Contrôle d'identité, vos papiers, s'il vous plaît. Eh, hey, messieurs, j'ai vu tout à l'heure avec vos collègues. Il n'y a pas de discussion. Vous correspondez à un suspect là. C'est le poste ou vos papiers. Oh, la poisse. La poisse. La poisse. Des fois le pied c'est de vite cité, dans toute sa mixité. Ce qui nous a rendu excités après le cash. Money de 3 places, mais les kin. Pendant que dans les quartiers de Bourg, j'y tire des gueules de mort. Moi je suis au chaud dans la demeure, dans ma demeure. Je crois que je me meurs, mais je vis. Connerie, tous les jours que Dieu fit, on est tiré profit. Connerie avec trop de feet, enragé comme trop de beat. Sans limite, comme un gars qui voyage sous le cockpit. Je te parle pas de cockpit, je te parle de potes de pute. Sur ce bête de biche, je te parle pas de perpète. Je te parle de fumer des pêtes, assis sur un banc. En été, en automne, en hiver, au printemps, à plein temps. D'avoir 28, 15, 20 ans. Un casier, pas sentir des lincons. Sont pas que les rincons. L'église des fans d'être habitué au contrôle depuis l'âge 5 ans. Trop d'occasions de trinquer, trouver sa vie belle. Alors pour d'autres, elle paraît se flinguer. Yeah, yeah, yeah. Cette ville cité, dans toute sa mixité. Ce qui nous a rendu excités après le cash. Money de 3 places, mais on tin, tin. On split de hash, et on s'imagine din. Dans des trucs de bar, sur des plages, loin des cages. Bouteille de din, din. En train de la jouer fin, fin. Happy end comme dans un film, film. Où est le crime? Ça sent le chef, ça sent le couscous. J'entends du rail, j'entends du soukous. Sur les terrains de foot, plein de Zidane. Entouré de blocs, géant comme le titan. Certains s'impliquent à l'église, à la mosquée pour esquiver le chétan. Des assos pour faire avancer le tiekar. Des darons qui jouent au 2K. Des meufs bien, pas que des pirates qui t'écartent.